Bienvenue mesdames et messieurs, vous êtes nombreux en train de nous suivre de partout, votre magazine Décryptage Info. Nous avons le réel plaisir de vous savoir nombreux. Vous êtes en train de nous suivre, vous nous écrivez de partout, vous nous suivez extrêmement de partout. Nous vous disons merci pour votre fidélité que vous accordez à votre magazine Décryptage Info. Aujourd'hui, comme à l'accoutumée, nous allons décortiquer différents sujets, différentes actualités qui touchent la santé, qui touchent notre pays. Et nous allons aussi, comme nous en avons l'habitude, de proposer, pourquoi pas dire ce qui ne va pas, critiquer, pour ainsi permettre l'évolution de notre pays par des idées. C'est seulement par des idées que nous allons atteindre le firmament de l'évolution ou bien le développement de notre pays. Aujourd'hui, comme nous vous le demandons toujours de vous abonner massivement à votre chaîne Congo Live Télévision, la chaîne qui vous offre beaucoup d'éléments, beaucoup d'autres actualités avec laquelle vous en avez besoin pour vous enrichir, Congo Live est toujours disponible pour vous. N'oubliez pas aussi de liker, n'oubliez pas de commenter pour nous dire les bonnes choses à améliorer et ce que nous devons faire pour que nous puissions avancer en ce qui nous concerne, en ce qui concerne les services que nous vous offrons chaque jour. Aujourd'hui, nous allons vous présenter, parler d'une actualité ou bien parler d'un sujet qui nous tient en haleine. Mais avant ça, nous voulons d'abord faire un coup de rage par rapport à la montée. À la montée des prix des denrées alimentaires sur les marchés, ça ne va pas, ça fait jaser, tout le monde en parle. On se rend compte que de plus en plus, biloko ezali komatana marché. Biloko ezali komatana marché, on ne sait pas pourquoi la montée à prix ezomata. Ici, je m'en vais faire un rappel au ministre de l'économie, M. Jean-Marie Kalumba. Le ministre, il est venu ici, apparemment le gouvernement n'arrive plus à contrôler cette situation et à secteur et à économie. Pourquoi je dis ça? Parce que nous étions là, nous sommes dit qu'il fallait biloko et il fallait bah, prix équita. Vous étiez en collaboration avec l'entreprise Oyo et Tekaraba biloko et Sengeli Kolé Sabana Mboka. Mais on se rend compte par après que Batouana, les opérateurs économiques ne veulent pas baisser les prix. Or, si nous nous revenons à la loi, Ozolobela, concurrence, il y a marché, tu as liberté des prix, on se rend compte que l'État doit avoir un contrôle. Quand même que ce n'est pas lui qui fixe les prix, mais il doit avoir minimum, il y a un prix et coquille ou les cadets. Maintenant, on se rend compte que prix, les gens y mettent comme ils veulent. Le logo le mot qui boit prix et matiboye, biloko et ça comme matin, on ne sait pas. Qui gère qui dans ces pays? Ministre de l'économie, Tosé Baté Moussa Lazo Sala concrètement. Parce que nous sommes en train de voir ici farine, il y a ces moules, nous qui avons l'habitude d'en manger. Qu'ici, plus de 5 000, 7 000 licolos. Biloko, Basombaka, ou à moi, Soso, pour que les gens mangent, poisson, chacha, Rwana. Et ça, Kakomata, du jour au jour. Le gouvernement a même pris l'initiative d'aller importer en Namibie. Mais jusque-là, les stocks, ils ont limité quelque part, ils ont commenté. Alors, nous ne savons pas. Retomber dans nos animes. Quand nous prenons des décisions, c'est pour que ma décision soit efficace, efficiente et effective. Et non, ma décision, parce que quand vous partez importer à l'extérieur du pays, ils allez vous inscrivez à la longueur du temps. Ou c'est pour complaire, c'est pour faire du cosmétique pour battre ces pélas après qu'on quitte après et Mathilde Soussou. Non, monsieur le ministre. Parce que sur cette question, il y a Makamoetali Badanré, vous n'arrivez pas à donner des réponses qui s'imposent par rapport aux multiples questions à Banamboka. Nous sommes là, nous sommes en train de vous regarder. Toujours à la vie, non. Les prix augmentent de chaque jour. Vous avez dit ici que beaucoup formés des inspecteurs économiques qui doivent descendre sur le terrain pour veiller sur le prix et à d'or et à Babylone. Où sont ces gens-là?
Nous savons comment est-ce que ces gens-là, les gens dans les magasins, il y a des Indiens, il y a des Chinois, pour nous rejoindre. Moi, je suis en train de l'État, monsieur le ministre. Mais c'est le ministre Jean-Marie Lamouka. Tu dors, vous êtes là à la macasse. Parce que vous avez la charge, il y a qu'à veiller sur ce secteur-là. Il y a nini, biloko ezali côté kama, nini banamboka, bazali, ko consommer yango. Comment est-ce que l'économie amboka ezali ko tambola? Et comment est-ce que nous pouvons entrevoir ça marambo pour que libumwe banamboka ezala assuré de la plus belle des manières? Mais non, vous prenez, vous montez un projet. Bobino, il faut l'État yemoko abanda ko importer. Mais l'État abanda importer, mais pour quelle finalité? L'État importe pour vendre. Si l'État va lui-même vendre, ça sera pour quelle finalité? Est-ce que ça sera vendre pour un moment et s'estomper par après batou bapril sous ce matin? Non, mais l'État doit savoir s'inscrire dans la durée. L'État zali Léviathan, l'État azali monstre. Monstre, tant asala makamounaye, asala angolo ko la monstre. L'État en tant que Léviathan, il faut asala makamou pour contrôler tout. Alors il faut prendre toutes les dispositions qui s'imposent, parce que quand tu prends une décision, il faut une décision en aisa, naba troubine à mon yonso. Pour qu'ils aient une décision effective, ils aient une décision qui touche. Même sensibilité, c'est l'importance de la chose et c'est l'importance de l'élément qui doit nous régir. Il ne faut pas venir avec des décisions après prise et c'est même que vous n'avez même pas bien nourri cela. Vous voyez, vous avez importé, vous avez vivre et quand même. Vous commencez maintenant à négocier le gouvernement namibien pour que vous décaissez. Est-ce que nous pouvons aller importer la Namibie? Quand vous faites des choses, et un peu, vous avez un peu, moi, une certaine dose, il y a maturité, il y a maturité politique. Et là, c'était le quoi, bariviste, moroboye, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire, vous avez battu Nino, Zizaya, Malam, Ponabino, Yarosala. Nous vous posons des questions sur ce que vous faites réellement. Bon, est-ce que Congo vraiment a besoin de importer vivre à l'extérieur? Parce que nous avons tout ici. Beaucoup sont chalutiers. Qu'est-ce qui nous manque? Il y a une volonté politique. Tous les gens ont un poisson. C'est seulement parce que volonté politique, ton management politique, parce que moi, je peux payer ça pour la Namibie. Et ça, c'est 4 millions, c'est 7 millions. Je peux payer ça. Soit tu es un bon moment. Tu as un bateau combien? Tu as un fleuve dans le biso. Ma place, ma chito, ma poisson, et bimara, ma poisson, ils ont couffé dans ma maille. Tu as différentes rivières dans le biso, ils ont produit ma poisson. Tu as même place dans le biso, tu as un océan. Et c'est plus vraiment tout ça capable d'être yako produit biloko binobo qui est importé. Et maintenant quand vous importez boye na mo awe koti na moka, vous voulez quoi? C'est vous-même qui allez vendre, l'État qui va vendre, ou vous allez vendre aux opérateurs pour que maman en retour baye au té que la biso? Non mais soyez sérieux, soyez sérieux. Vous voulez vous-même vendre, mais avec quelle structure? Monter ces entreprises, on vous a demandé. Pour que Maramoué le Kanamalam dans le secteur, il faut que l'État ait la Maramoué en main. C'est-à-dire, il faut qu'on réveille l'institution où il y a des prérogatives, il y a des 18 ans. Entreprise encore organisée, et qu'il y a. Il faut mettre ces entreprises-là au bon fonctionnement pour qu'elles aient leur retour et puis ça va rendement pour que tout s'inscrire finalement dans la perspective il y a longue durée. Pour que bah, retomber au Borotia, tant que Borotia, on va initiative Borotia en marche et ça va permettre à tout voisiner réussite sur ces secteurs-là.
Mais maintenant, on vit avec des improvisations de partout. On vit avec des choses qui ne sont pas bien ficelées et ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Ce que ça donne aujourd'hui. On ne sait plus se situer. On ne sait plus se cadrer par rapport à cette question-là. Biloko eza akomata. Biloko eza akomata. Sérieusement, biloko eza akomata comme pas possible. Aller dans les différents marchés. Je suis passé hier dans un marché, dans un grand marché à Yazano. Il faut voir. Il faut voir les biloko eza akomata. Quelle est la liberté? Biloko eza akomata comme pas possible. Mais que voulons-nous? Boloba qui a non biloko eza tanakani ya makasisi ezo ya batwa kulia tozela ngo tililo ezaka ya ba soda ba police bon ya peuple les autres n'ont pas droit d'en consommer et une certaine vision claire par rapport à vos à des questions où le peuple zali ko se poser au lieu de venir improviser besoin improviser vous n'arrivez pas à atteindre finalement ba besoin au peuple à Zanango. C'est ça le ras-le-bol. C'est ça ce qui frise. C'est ça qui fait fâcher Batoumou et Belé. Par rapport à Makambo et Zosalema. Nous avions pensé que vous serez des warriors, des vrais warriors. Mais on se rend compte réellement que Nakataba warrior, il y a des faux warriors. Il y a des bateaux qui ne méritent même pas qu'on soit ministre. Il y a des gens qui sont bien nippés, bas la gata ba bureau na bango bien climatisé, qui ne foutent rien. J'ai parlé ici l'autre fois, le ministère y a pêche et élevage, ministre pêche et élevage, Azara. Toi quand y'a ta, depuis beaucoup dans le gouvernement, toi quand t'as ministre y a élevage, ministre élevage, ministre pêche. Alors bas t'as un projet mauvais ali, boy tolu kato salélo ko boy. On n'en parle même pas. Mais on le belle maintenant on veut quoi? Finalement on veut quoi dans ces pays? Soit on veut du développement, soit on ne le veut pas. Parce que Moutoua Zoulouka a qu'à atteindre un certain objectif, il faut préparer cet aspect-là. À quoi qu'elle était qu'à boué, pour ne rien faire à la fin. Le plus important ici c'est quoi? Le plus important c'est ici c'est donner des paradis. C'est donner des réponses, avoir une certaine vision claire pour que permettre tant que tu as ma vision d'ambition et permettre à Bissot d'atteindre mon objectif. Voilà. Sur l'immolier, sa peuple Nayo, Aglia à satiété, qu'est-ce que tu fais? Tu mets les conditions qui s'imposent pour permettre, pouvant le permettre, aller à Tonda. Aller à Tonda. Au lieu de nous amener bah, éléments, au lieu de nous amener bah, projet limité, limitatif, on ça nullement. Pour apporter ma solution. Et apporter ma solution. Monsieur le ministre, réveillez-vous. Osaya Kolala Yamakasi, parce que le peuple est en train de vous regarder avec un œil plus regardant. Plus regardant. Ministère économie, et ça ministère Mokoboye, et ça moteur. Mais depuis au côté, voilà, tout le monde, rien de concret. Au local qui bat toi, que ce soit qui t'en a $10. $10, moi, je te commande. $10. J'ai suivi quelqu'un hier en plaisantant à l'objet. N'a pas dit $10, c'est la fin de l'année. Pour la somme à toi, ce soit $10. Tu l'as dit en tant que ministre. Si le lot, ce soit $10 en moto, mon monsieur le ministre, décence. Monsieur le ministre, revenez à la raison. Vous allez à la tête du populisme. Vous passez à des chaînes de télévision, à la radio, pour rencontrer des choses, pour rencontrer vos vies. Mais par contre, le peuple ne voit absolument rien, rien du tout de ce qui peut le merveiller en termes de réalisation concrète de votre part. Vous ne faites absolument rien. Permettez-moi de le dire, vous ne faites absolument rien. Parce que dans ce secteur-là, Ezali n'a pas d'indication en mot clair. Oh, il faut tout suivre pour que mes mamies soient la place telle. Et c'était là-bas tâtonnement. Et c'était là-bas tâtonnement. Je ne m'irai pas ici dire il est de quel bloc politique. De l'instant où aux ministres, aux communes à charge Yamboka, aux communes Moutou, au Seigneur, comme même ma réponse à la question de la population. Il faut apporter un mot. Ceux qui sont capables, que tu démissionnes. Il faut que ça ait une culture, on a une démission. Ceux qui sont au cocaté, tu démissionnes. Avant même, il y a un mot parce qu'ils ont sonné. Parce que les remaniements qui viennent ici, Ozaate. Il faut vous le dire, Ozaate. Parce que Moussala, Osala, Kokaimote. On ne voit absolument rien sur ces terrains-là, sur ces secteurs-là.
Donc c'est vraiment un ras-le-bol. C'est vraiment un ras-le-bol. Ça va na ningemoko na bato baso travailler dans tous les secteurs. Les gens n'arrivent pas à donner des réponses qui se doivent. Voilà, je vous donne vraiment un cas. Je vous donne un simple cas. Oye ko réveiller bino. Lelo on fait quoi na aéroport, na salon d'honneur. Na salon d'honneur, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Vous allez voir. Vous allez voir na ba vidéo. Vous allez voir. On est en train de faire quoi? Yako, l'homola bakiti, bazotia bakiti asika. Ah, tout simplement parce que il y a une vidéo qui a circulé au des frères qui toile na ba réseaux sociaux. O ils ont l'accès ngeni bakiti ya salon d'honneur et comment. Voilà. C'est-à-dire que si on comprend bien, c'est payé à de l'argent. Il y a de l'argent. Et mais les gens ne savent pas quoi en faire. Parce que c'est un bon mot, tout ça est l'amour. Nini. Tout ça est l'amour, nini. Na RVA, on a. Donc, ils ne voyaient pas. Donc, quand on est dirigé, quand on a dit que le salon d'honneur, on est comme Imabe. Il a fallu nous sortir une vidéo. Pour que ça l'aille en haut, par pression. Non, nous devons quitter cet aspect des choses. Quand on est dirigeant, il ne faut pas attendre que il se place sur un examen. Et ça, on ne va pas poser un dako. On va nous élarater, au moins, on va dire, ah, place sur un tangi. Tout le monde va dire, tangi, tangara, tangaka. Non. Dès l'instant que tu comprends que ça peut nous amener de causer du tort. Oh, ils ont place sur eux, ils ici, quand tu vas y aller, quand tu vas y aller, pourquoi pas te faire un bon. Donc il fallait qu'à oser là, vidéo bimakenon, place les aramabé, ne bon ici. Non, ça nous sommes pas dignes d'être des dirigeants. Ça nous sommes pas dignes d'être de politique. Parce que si la politique est un art de gérer, c'est-à-dire que le politique est en quelque sorte un artiste. On les a art, hein? Arte. Parce qu'un artiste, c'est Azamuto à Salarabatu et Sengo. Ou à Memara un agréable. Mais nous sommes artistes, parce qu'un artiste a coqué comme ça la maramo, nous sommes salaires. On a été. C'est la honte. Ça fait la honte. Ça fait la honte. C'est partout dans tous les secteurs. Vous voulez quoi? Vous voulez que le président de la République. Allons à place à Zali, allons nous travailler à la place à Nabino. Non. C'est seulement ce que vous faites qui peut en quelque sorte profiter au pays. Vous avez des postes de responsabilité. C'est pour donner des réponses. C'est pour donner des réponses. Que la conscience puisse régner dans la place de Zali. Place de Zali, il faut conscience et la mission de Zali pour faire sa réponse. Au lieu de faire de folie, nous sommes dans les réseaux sociaux, il y a la présidence, il y a des avions, il y a des gens. Bon, voilà. Ils sont en train de fêter, mais pourquoi vous ne pouvez pas garder vos images? C'est pour vous. Je me pose la question. C'est seulement, vous voulez seulement donner des armes. Vous voulez seulement donner des armes. Nabatouba attaquer chef de l'État. C'est ça le problème. Vous ne pouvez pas garder ça pour vous. Quand vous faites vos choses là, bozo sepela la carte avion, bozo mela, vous pensez que tout le monde qui regarde ça, azo ça na regarde moi madame. Vous pouvez garder ça pour vous. C'est pour vous, ce sont vos images à vous. D'un travail qui a été fait, et pourquoi les faire sortir? Les publier? Non, et c'est important que nous devons quitter cet aspect du loisir à tout bout de champ, les uns quatre les Congolais, apparemment les Congolais sont prêts à faire du loisir un peu de partout. Un peu de partout. C'est ça le plus important. Le plus important, c'est qu'on a besoin. En tant que dirigeant, on est capable d'apporter réponse. On est capable d'apporter réponse. Il y a solo. La question est pas dans le cas. Au lieu de rester dans votre lucubration, dans votre émerveillement personnel, c'est complet, qui n'a rien à voir avec les attentes réelles de la population. Parce que ce peuple-là avait tant souffert. Azos est là la réponse. Par rapport, il y a Azos et la Mboka. Donc, ça appelle à nous, ça nous appelle à vraiment avec beaucoup de responsabilité. C'est dans le même quand même, avec ce que nous avons dit l'autre fois. Yeah!
Tolobele Kango, c'est même notre deuxième CG avec cette affaire de censure. Tolobele Kango. Bah décision, en tant que autorité, ça bah décision m'ont réfléchi. Aujourd'hui, ministre, il y a justice, Ayeko, Senga, que bah lever décision, wana, censure, azo, qui a suspension, bah chan, wana. Bon voilà. Nous l'avons dit sur ce plateau hier. C'est pourquoi nous sommes en train de mener des analyses, il faut bien nous suivre. Parce que j'avais fait cette différence-là, j'avais scindé mes analyses en deux parties pour faire montrer ce que devrait être, en principe, la décision que doit prendre la commission en ascension. Nous disons oui. Mais est-ce que l'année-là qui démarche? Parce que l'année-là qui démarche, quelle serait la décision à prendre? Voilà. Donc, parce que le plus important pour la décision, c'est aller de laisser la liberté à tout Congolais de s'exprimer. C'est ce qui même nous marque. Dans la période où on sent que les gens maintenant commencent à s'exprimer. Ça, c'est une autre chose. Parce que ça démontre qu'il existe une certaine démocratie. Non, l'inga, c'est comme ça. C'est comme ça. Aujourd'hui, tout le monde, moi, je ne sais pas, l'argent, ça peut être moins de monde. Tu peux pas y aller. Ça, c'est le plus important. Désolé, c'est que non, la démocratie en République démocratique du Congo, ça vit un peu. Ils ont vivre. Parce qu'il y a une certaine liberté d'expression. Mais les gens pensent comme ça. Et c'est dans la contradiction que la démocratie doit vivre. C'est comme ça. Il faut, tant qu'on a un niveau, on a quoi accepter, on a un lobby. Muninga lobby, c'est ça la liberté d'expression. Mais il ne faut pas aussi mélanger la liberté d'expression et la libertinage. Parce que toute liberté est toujours limitée. Place liberté, et ce qui est Muninga Sainini, est bandit. C'est ça le plus important. Il faut toujours nous mettre ça en tête. Il faut que quand tu fais quelque chose, tu veux publier une chanson, il faut aller dans la procédure normale, selon les lois. Nos lois. Au Salango, selon nos lois. Pour ne pas heurter et le bon mœurs et l'ordre public. C'est ce que veut la loi. Pour l'annexe à peuple congolais, les responsabilités, c'est à charge. Pour qu'on est maillé vers son développement. Le beaucoup de peuples dans le monde, parce qu'on s'est développé, ils ont pris conscience de leurs responsabilités. Beaucoup de pays d'Afrique ici, ils ont pris conscience de leurs responsabilités. Ils ont avancé. Ils ont pris Côte d'Ivoire. Sénégal. Ce sont les pays qui ont pris la conscience, qui ont compris l'enjeu dans les animes. Et aujourd'hui, ils avancent. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous, les grands Congos? Qu'est-ce qui nous manque pour que tous les autres fassent conscience? Il y a ma tâche, il y a ma responsabilité, il y a eux autres et la mission comme peuple pour que toi arrives et à quoi avancer, quoi porter, élément et malam dans Boka et avancer, Boka et Kéliboso. Qu'est-ce qui nous empêche? Il n'y a rien. C'est juste question. Il y a quoi, t'as la vers une même direction. Il y a quoi, Luka, notre, au-delà de nos diversités, d'avoir une certaine vision commune. C'est ce qui fait même une nation. Et c'est ça le plus important. Voilà. Voilà ce que nous voulions dire. Par rapport, il y a des éléments, il y a réveil de conscience. Par rapport, il y a des éléments, il y a des dirigeants, la bise, il va agir vite et le vite, le plus vite possible pour quoi arriver, quoi apporter la réponse à la multiple question à Banamboka. C'est ce qui nous amène maintenant. De parler même de cette question, c'est ça notre troisième sujet. Aujourd'hui, c'est le 11 novembre 2021. Il y a de cela 3 ans, 11 novembre 2018, qu'on avait eu un candidat comme de l'opposition. Quelle retombée? Retombée Nini après Genève? Lélo, vous savez constater ce qui est étiquette il sousou, la charte de Wanezaki signée par le nous opposant à cette époque-là,
pour que la France connaisse et accompagne vers les élections. Nous avons vu là-bas Félix Tshisekedi, aujourd'hui président de la République. Nous avons vu là-bas Fayulu Mbusitu, aujourd'hui se réclame de l'opposition. Nous avons vu là-bas Kamere avec Félix Tshisekedi aujourd'hui, mais il a été durcable, directeur du cabinet du chef de l'État, et aujourd'hui en prison, prisonnier à Kangami, parce qu'on le reproche fait un détournement, il y a corruption. Moïse Katumbi, on ne sait même pas sa position. Il est à cheval, soit dans l'opposition, soit dans la majorité, on ne sait pas ce qu'il y a à Zawa. Tozoé batté soit dans un bloc patriotique, Tozoé batté soit dans l'Union sacrée, depuis qu'il a annoncé ses consultations jusqu'aujourd'hui, Tozoé batté consultation, et Soukawapi, et Kenawapi, on l'a vu dernièrement, Kounan a fait ta juif. On l'a vu dans la fête à juif, alors qu'il n'est qu'opposé à la gerbe de fleurs. Bon, on peut juste comprendre sa position, et ça moi pas si, pour comprendre sa position. Mais il est à cheval. Matungulu, il est aujourd'hui avec Félix Tshisekedi, il était dans la Mouka. Il est aujourd'hui avec Félix Tshisekedi, il travaille le long Nabad, Banque africaine de développement. Bemba, il est avec Tshisekedi aujourd'hui, il vient de la Mouka. Bazaki na Moïse, Nemba Jona qui Tshisekedi na Union Sacrée. Voilà les 7 leaders de l'époque qui ont résigné pour que va porter une candidature commune vers les élections. C'était ici une triomphale. Les gens giraient ici. Tomeli Mbondo, Toro Salaboye, nous voulons que Toki Neliboso, Tonongo la cabinet à pouvoir. C'était ça les crédits. Ils sont arrivés à Genève avec tout ce qu'il y a eu comme manœuvre, avec tout ce qu'il y a eu comme tromperie, avec tout ce qu'il y a eu comme trahison. Mais il est même belé, Mouman Akata Genève, voilà. Parmi tant d'autres, vous allez suivre cet élément qui va passer. Après, nous allons revenir après pour parler, continuer de parler de cette question sur les 3 ans. Il y a encore un cinéma qui n'a jamais suivi. Une chose, c'est que déjà pendant les discussions, nous tous, finalement, et je dis bien nous tous, l'histoire rendra compte, on était plus ou moins en train de supplier Tshisekedi. Parce que du point de vue de l'ancrage du peuple, ne nous cachons pas les vérités, il était plus ou moins mieux positionné. Tout le monde était unanime là-dessus. Deuxièmement, du point de vue de sa clientèle politique, il a une clientèle beaucoup, beaucoup plus engagée, plus virulente, je dirais même assez religieuse. Malheureusement, Tshisekedi n'était pas, et il nous le disait, c'était un garçon correct, il nous a dit qu'il ne peut pas porter les projets qui consistent à lutter contre la machine jusqu'au bout. Et parce que, d'expérience de son parti, il n'était pas possible qu'il n'aille pas aux élections. Si Kabila maintenait la machine à voter, il serait obligé d'aller aux élections. Pourquoi? Parce que la notion du boycott dans ce parti, on en a l'expérience. Il s'est passé donc, par exemple, nous disait-il, qu'en 2006, ils ont demandé le boycott d'abord de la Constitution. Le peuple est allé voter pour la Constitution. D'abord voter, ensuite pour la Constitution. Ensuite, ils ont demandé qu'on n'aille pas aux élections. Le peuple est allé aux élections et ils se sont retrouvés dans une situation où finalement c'était un peu comme un reniement du peuple. En 2011, même chose, ils sont quand même allés aux élections. Pour eux, il y avait fraude. Et c'est probable qu'il y avait fraude. Mais il se trouve qu'ils ont demandé à leurs militants élus de ne pas siéger à une assemblée dont l'électorat n'était pas représentatif. Mais leurs députés sont allés. Ils se posent la question, cette fois-ci, comment ils peuvent demander au peuple de ne pas aller aux élections et espérer que le peuple va aller. Voilà ce qu'ils disaient. De sorte que, d'ailleurs, c'est un accident qui avait que finalement, c'est lui qui portait les projets du rejet de la machine et du rejet du fichier corrompu. Soit c'est lui qui est sorti. Tshisekedi n'était pas avec nous sur ces combats et il nous l'a dit. Et il était correct, on a discuté longtemps. Il disait, oui, on peut aller juste à contester la machine à voter, mais nous devons avoir des garanties que le pouvoir va nous obéir. Il faut avoir une stratégie. Je n'ai pas l'impression qu'on a une stratégie qui soit cohérente pour qu'on arrive au résultat. Donc, de sorte que, en fait, en termes de ce combat-là, il n'était pas l'homme de la situation, et il était d'accord avec nous, et il le disait. Mais nous voulions que ce soit lui. Voilà, vous venez de suivre cet élément où Neko Adolphe Mouzito, ça a révélation.
sur la personne même de l'actuel président de la République. Ça, c'est pas de, ça vient pas de moi. Je ne pourrais même pas continuer à commenter sur ça parce que je peux même me limiter là et clôturer l'émission. Mais je vais dire un mot par rapport à ça. Il dit ceci. Tant que vous êtes à Genève, par rapport au poids politique, le candidat qui avait un poids politique le plus élevé à ce moment-là, c'était Tshisekedi. Le candidat qui avait l'ancrage politique, il dit, c'est ça le mot, l'ancrage politique, c'était Tshisekedi. Le candidat qui avait une certaine clientèle politique par rapport à Bamoussoussou, c'est Tshisekedi. Et c'est Tshisekedi. Le candidat qui avait une position claire par rapport à la question relative à la machine à voter, c'était Tshisekedi. Donc, visiblement à Genève, le candidat qui devrait être choisi, c'était Tshisekedi. Parce que je ne vois pas aucun critère qui pouvait faire passer Martin Fayoulou à la place de Tshisekedi. Je ne vois pas. J'en vois pas. Mais comment est-ce que nous sommes arrivés là? C'est tout simplement parce que nos politiques ne sont pas sincères. Pas sans sincérité. C'est ce jeu-là qui s'est fait la carte à Genève. Et aujourd'hui, on commence à me chanter, président élu, voilà, je suis. Parce que tous savaient à ce moment-là que nous sommes Toroke Newala, Potocha, Tshisekedi. Mais comment on est arrivé là-bas? Comment est arrivé à vous choisir Fayoulou? Bon, ça, c'est incerté. C'est ça le problème. Vous n'êtes pas sincère. C'est ce manque de sincérité qui s'est démontré même quand il s'agissait sur la question des machines à voter. On veut aller aux élections, vous dites non, bisoto que élection, ceux qui balancent une machine à voter. Ok, bon, c'est bon. Balancent une machine à voter. Jusqu'à la veille de l'élection, vous dites aux gens, n'allez pas voter. Vous voyez la contradiction qui existe. Vous dites aux gens, n'allez pas voter. Quand même, les gens vont voter sur cette même machine que vous avez désavouée. Quand on rend les résultats, vous dites que vous avez gagné. Vous avez gagné sur base de quoi? Parce que vous avez même critiqué, vous avez même contesté l'outil qui devrait vous rendre besoin. Vous voyez la démarche? Contradiction. C'est cette même contradiction qui réside aujourd'hui. On les a déjà les lots. On vous dit non, on ne veut pas de CENI. Mais la CENI déjà travaille. La CENI travaille. Aujourd'hui, le président de la CENI, Kadima, avec toute son équipe, est en train de travailler. Vous voyez un peu? Bazo travaille. Ils vont bientôt nous publier un calendrier. Et ça déjà pour nous. Mais les gens ici de l'autre côté, ils sont dans la rue, ils veulent protester. Oh non, on ne veut pas l'élection. L'élection, c'est le Mananegoka Dimate. Vous voyez un peu? Mais maintenant, tant que tu recommandes l'élection, il n'y a aucune élection. Parce que même un des membres de la partie où il y a opposition aujourd'hui, à l'Obekia, avec un boycotté l'élection. Mais il y a un boycotté l'élection, mais il y a préparé déjà l'échec. C'est déjà préparé l'échec. Parce que si vous n'allez pas boycotter les élections, mais mettez à profit ce temps ici, préparez-vous conséquemment. Au lieu de passer le temps inutilement en train de discuter sur des questions vaines auxquelles on ne reviendra plus jamais. Plus jamais. Parce que c'est cette CENI-là qui va organiser les élections auxquelles vous allez participer, comme vous le dites déjà. Mais vous préparez déjà une certaine contestation. Vous êtes ici déjà en train de préparer quelque chose qui n'a rien à voir sur le préparatif qui doit vous amener au firmament du pouvoir. C'est ça le problème avec le politique. C'est ça le problème avec le politique congolais. Ils disent tantôt une chose. Aujourd'hui matin, ils disent une chose. Le soir, ils vont vous dire une autre chose. On ne sait pas se situer. On ne sait pas comprendre que veulent réellement ces gens. Balignini finalement. C'est
C'est pourquoi, c'est ce qui nous amène à voir. On va voir le samedi, avec la marche du bloc patriotique, quelles seront les différentes retombées à Marchouana. Mais moi, je reste vraiment dubitatif sur les objectifs réels. On fait quoi? Ce sera quoi vraiment le sujet? Ce sera chasser Kadima. Bouloula Kadima. Faire pression. Oh, mais il faut bien sensibiliser. Parce que soit vous sensibilisez bien, vos revendications vont rester vaines. Vont rester vaines. Il faut vraiment bien se préparer. Parce que en cette question-là, il y a ma marche. Il faut vraiment avoir du poids pour que ma marche n'a mis pas réussir. Et réussir. Parce que moi, je ne vois pas. Si vous allez bloquer l'élection en 2023, pourquoi perdre le temps inutilement maintenant? Si vous bloquez l'élection en 2023, pourquoi perdre? La logique voudrait que, comme vous avez commencé ici, vous boycottez pour l'élection. Ça serait logique. Mais comme la logique n'est pas politique, on peut vous concéder cela. On peut vous concéder cela. Surtout dans la politique congolaise, il n'y a pas de logique. On peut vous concéder cela. C'est seulement des intérêts. Bah, intérêts au pays. Tout le monde a né ni besoin de changer ma physique de Paul un peu de partout et de tout bout de champ. Tout le monde a né besoin de ça. Mais il faut savoir dans tout ça, c'est que le peuple congolais n'a pas intérêt à ça. Le peuple congolais a besoin de résultats. Parce que la volonté de Genève, c'était quoi? C'était que ça l'a mieux que ce qui a été déjà fait. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est mieux fait? Est-ce que Makambo Bolobanaka a triomphé? Il y a un peu de ça. Est-ce que Bobo Yokanaka a triomphé? Il y a un peu de ça. Est-ce qu'il y a un peu de ça? Au-delà de vos divergences, Tshisekedi aujourd'hui, c'est votre frère, comme vous l'appelez. Vous êtes frère. Mais pourquoi Bozo s'est déchiré? Pourquoi vous vous déchirez? Si réellement Tshisekedi était votre frère, vous pouviez l'aider dans cette démarche. Vous pouviez l'aider. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Genève a été un échec ou une réussite? Est-ce que le notre rôle va Genève est qui réussite? Tout est un échec. Au vu de la sphère politique, au vu de ce qui apparaît. Vous-même, vous êtes à la maison, vous nous suivez de partout, vous pouvez répondre à cette question, écrivez-nous. Est-ce que Genève, Ezali, échec, tout réussite? Même Ata, moi, qu'on a moi comme chef de l'État, est-ce que Genève a été une réussite ou un échec? C'est la grande question que je vous laisse analyser devant vos postes récepteurs pour voir si cette histoire de Genève a eu une certaine finalité en soi qui peut donner espoir au peuple congolais qui en a vraiment, vraiment besoin. Voilà, c'est par ici que nous allons clôturer, nous allons placer les derniers mots de cet 7e numéro de votre magazine Décryptage Info. N'oubliez pas de vous abonner massivement pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Abonnez-vous à votre chaîne Congo Live Télévision. N'oubliez pas aussi de liker. Likez, hein, beau aimer, ça nous fait plaisir. N'oubliez pas aussi de commenter, hein, de nous dire ce qui est fait, de nous apprécier. Pourquoi pas aussi nous critiquer, parce que ces critiques-là font de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Ça nous permet d'avancer, ça nous permet de nous améliorer. Parce que nul n'est parfait. C'est seulement à travers des critiques qu'on apprend, c'est seulement à travers vos avis et considérations qu'on peut évoluer d'une manière bonne. Voilà, merci pour votre fidélité, vous avez été très très nombreux, vous nous avez suivis ici à Kinshasa, vous nous avez suivis à Kikwit, vous avez suivis à Mbujimayi, des amis qui nous écrivent dès là. Vous avez suivi à l'extérieur du pays, Istanbul, Zurich, vous avez suivi à Montréal. Vous nous avez suivi aussi à Massachusetts. Merci pour votre indéfectible fidélité. Nous ne lasserons jamais de vous produire cette émission. Nous ne lasserons jamais de vous décrypter différentes actualités, différents sujets sociopolitiques qui nous touchent, qui nous tiennent en haleine. Et nous vous disons merci pour votre fidélité. Merci parce que vous êtes là, vous nous suivez. Bonne journée.
et vivez 100 ans. Merci beaucoup.